Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déballage de la commande Candy Sun. Donc là on passe au Oreo Bar Chocolate, donc Crispy. Donc là vous voyez le 3 là, en fait c'est puisqu'il y a 3 couches à l'intérieur qu'on voit ici. Donc c'est des barres au chocolat avec des morceaux d'Oreo, de cornflakes et de gaufrettes. Donc le packaging est sympa, hein. Enfin, il y a rien d'extraordinaire mais c'est sympa. On a pas ça en France aussi. Non. Non, on a juste l'Oreo. Oui, bah, sinon tu l'aurais pas pris, quoi. Oui, déjà. Donc voilà, et puis je crois que au moment où je l'ai pris, il y en avait à la framboise. Mais ils étaient un peu moins bons. Enfin, je crois pas. J'avais vu les vidéos de quelqu'un, de Lucas TV, qui trouvait ça un peu moins bon et il avait adoré celui-là. Donc bon, bah, voilà. Après, celle-là, au déballage. Donc le déballage des Oreo Bar Chocolate Crispy aux 3 couches croustillantes. Donc on voulait quand même signaler quelque chose, c'est que pour une barre qui est à 38 grammes, donc c'est assez lourd quand même, 208 calories. C'est quand même assez Récent. Donc si vous voulez faire un régime, je vous conseille pas du tout ce produit-là. J'ai les doigts qui glissent là. J'ai plus les doigts, j'ai plus de force dans les doigts. Ils sont forts. Voilà. Ah. Donc avec toi. Wow! C'est pas grave. Je crois qu'on devait essayer de pas les péter. C'est pas grave. De toute façon, il y a l'emballage avec. Ouais. Enfin, oui, enfin, oui. Non, mais regarde, ça va. Bon, c'est bon, il va péter. Bon, ça sent le chocolat, mais pas forcément chocolat haute qualité. Enfin, chocolat. Ouais, chocolat de base. Bon, après, c'est pas ça qui est le plus intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon, bah, il y en a un qui sera deg. Non. Non, je déconne, on va partager. Bon, allez, on va passer à la dégustation, les amis, voilà. C'est parti. Et bien maintenant, on passe à la dégustation de ces Oreos. Des chocolats tombages. C'est parti. C'est du chocolat noir. Ouais. C'est l'odeur. C'est en goût. C'est super croustillant. Ouais, c'est et bon. On peut voir qu'il y a plusieurs sortes. Bah, je vais aller voir. Enfin, montre. Bon. Non, je vais voir. Hein, si... Montre-moi. Si... On voit pas trop. Ouais. Mais bon, toi on voit un petit peu. Ouais. Dis-moi. Ah là on voit bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est bon. Donc là on a les couches, parce que vous voyez en chocolat noir un petit peu, c'est l'Oreo. Dorian, je te vois. Hein. Avec un petit cornflakes et la gaufrette. Donc c'est super croustillant. C'est très bon. Ouais. C'est bon, peut-être... Un peu trop bon. Non, ouais, voilà, peut-être un peu trop bon, voilà. Par contre, le chocolat, il est noir quand même. Ah, mais j'aime bien comme ça. Ouais. Moi, je te dis, c'est l'Oreo. T'as jamais mangé de l'Oreo? Non. Voilà. Moi aussi, j'étais surpris, c'est vraiment super noir. Hein. Enfin, ouais. C'est un peu écœurant à la fin. Ouais. Et le blanc au milieu, c'est pas ouais. Super. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que le chocolat, il l'est adouci quand même. Donc, c'est pas mal. Tiens, prends entier. Moi, je vais partager avec Sylvie. Quand même bon. Moi j'aime bien. Tu veux un entier? Moi ça. Attends, moi, je préfère pas trop. Si j'aime bien mais. Le chocolat noir t'aimes pas trop. Si j'aime bien mais je préfère. T'aimes bien mais tu préfères. Ça c'est croustillant. Hein. C'est bon. Alors la notation c'est parti. À toi, juste espérons. Bah comment c'est que tu finis à boucher là? À toi, de pareil. Je trouve que le paquet il est comme les autres quoi, bleu. Par contre, peut-être pas assez recherché. Ouais. Bah après en même temps, ouais. C'est une marque quoi, ils ont des règles, on doit pouvoir mettre des bonhommes. Sur les autres. Bon, Oreo c'est pas une marque même fantasy, enfin je sais pas. Sur les autres paquets c'est plus coloré. C'est plus joli, on va dire. Mais là c'est pas trop mal. C'est bon. Combien? Un peu plus d'un euro je crois. Mais après. Oula. Il y en a quand même pas mal. Ouais, tu vas en manger 3, ça. Tu sais, tu manges pas ça. Ouais, c'est bien, il y en a 8. Donc ça va, c'est le prix, c'est pas trop mal. Ouais. Donc tu nous dis combien à peu près? Je dirais 18. Parce que c'est assez bon, c'est croustillant. Il y a plusieurs trucs dans le... plusieurs sorts de chocolat. Ouais, plusieurs parties en plusieurs couches.
Et donc, toi, tu sais, le biscuit. Et bien, au niveau du prix, bah, ça va. Bah, la quantité, ouais, ça va. Par rapport à la quantité, ouais, ça va. Ça se correspond bien. 8 pour un. Ouais, le packaging est sympa. Enfin, on explique bien c'est le produit, mais c'est vachement bien. J'aime bien. Mais le goût, j'ai beaucoup aimé. Il y a bah, chocolat au lait, chocolat noir et puis les croustillants. Je mettrais 17. Hein. Ok. Et toi? Moi, je mettrais 16. Okay. Parce que juste surtout aussi pour la présentation, je la trouve bien, mais c'est ça fait pas une, ouais, ça fait pas, on pourrait trouver ça dans un magasin français, quoi. Ouais, ça voilà. Fait pas japonais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on a bien aimé quand même. Ouais, sans dire, c'était bon. Chocolat. Ça vaut le coup. Donc, on se retrouve pour. Ouais. On vous le conseille. Vous pouvez aussi aller voir dans la description le site Condition. Ouais, le lien du site. On mettra le produit aussi. Ouais, si vous voulez aller voir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour de nouvelles vidéos de dégustation avec Dr LG, c'est Spiro et Dravenic. Salut tout le monde. Allez, vidéo, salut tout le monde.